Bonsoir à tous, bienvenue pour ce direct live de la Minute Psy avec comme thématique par rapport au sondage sur la confiance en soi. J'attends un petit peu pour voir si les personnes sont connectées avant de commencer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée avec plein d'énergie et d'émotions positives. Je vous le souhaite en tout cas. Là, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Et puis pour les personnes qui regarderont par la suite la Minute Psy, bon visionnage à vous. Alors, j'attends encore un petit peu. Alors, par rapport à ce thème-là, bon, je vais commencer. Sur la confiance en soi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, en fait, c'est lié à l'estime que vous avez de vous-même. Et l'estime de soi-même, c'est la valeur, soit positive ou négative, qu'on a de soi-même. Et si vous voulez, je vais vous montrer la pyramide de la confiance en soi. Me rapprocher un petit peu, comme ça vous la voyez bien. Et vous voyez, plus vous avez une bonne estime de vous-même, plus vous avez confiance en vous, et plus vous arrivez à vous affirmer dans votre environnement, dans tous les domaines. Et en fait, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit. Et là-dessus, j'avais trois questions à vous poser, en fait, hein, pour de votre côté, vous puissiez justement travailler dessus. Avez-vous déjà une valeur positive de vous-même? Si oui, tant mieux. Et sinon, ah, il y a quelqu'un qui s'est connecté. Je vais voir par la suite qui c'est. Et si ce n'est pas le cas, justement, essayez de savoir pourquoi vous n'avez pas une valeur positive de vous-même. Et en fait, si vous voulez, pour prendre conscience de sa valeur, de son estime de soi-même, c'est se dire, est-ce que, par exemple, d'une manière générale, vous avez plutôt tendance, à vous complimenter, à vous faire des retours positifs, plutôt que vous dénigrer. Alors, si c'est plus les compliments, c'est que vous avez une bonne estime de vous-même. Si c'est plus le dénigrement, c'est que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. Elle sera travaillée. Voilà les petits questionnements. Je vois qu'il y a deux personnes qui me regardent. Je ne vois pas qui c'est. Donc, bonsoir à vous. Je verrai peut-être par la suite. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la confiance en soi, il y a l'amour de soi. Et comme je le dis assez souvent, l'amour de soi, ce qui serait bien, c'est d'avoir un amour inconditionnel de vous-même. C'est-à-dire vous aimer avec toutes vos facettes identitaires, avec vos qualités, avec vos défauts. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous acceptez déjà que la perfection n'existe pas et que vous avez des qualités, vous avez des défauts comme tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à accepter? C'est plein de questionnements, en fait, sur cette Minute Psy ce soir. Bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue sur la Minute Psy en direct. Ensuite, par rapport aux défauts, est-ce que par rapport à votre environnement, vous acceptez facilement justement que votre environnement, toutes les personnes qui vous entourent, aient des qualités et des défauts? Parce qu'il y a des personnes qui arrivent beaucoup plus facilement à l'accepter des autres, mais beaucoup plus difficilement de l'accepter de soi-même. Ensuite, alors ce que je peux vous suggérer, bonsoir, ah je vois quelqu'un de connecté, bonsoir Anne, bonsoir Racha. Alors, ce que je conseille souvent pour, dans le cas où quelqu'un, vous ou quelqu'un de votre entourage, ait besoin justement de stimuler sa confiance en lui, c'est de prendre un petit cahier puis de noter tous les jours quelques retours positifs sur vous. Et tous les jours, en fait, vous reprenez votre cahier, vous lisez ce que vous avez noté, ce que vous avez écrit la veille. Et petit à petit, ça va renforcer votre estime de vous-même. Vous allez stimuler votre cerveau positivement parlant. Et petit à petit, c'est quelque chose qui marche très bien. Le tout, c'est de le faire assez régulièrement. Et ensuite, dites-vous que par la suite, quand vous allez voir que ça y est, vous avez retrouvé confiance en vous, gardez votre cahier de côté parce que dans la vie, il peut arriver apparemment qu'on soit, si vous voulez, à 100% de sa confiance en soi, et par moment, en fonction de ce qu'on vit, ça peut descendre un petit peu. Donc quand vous sentez que ça descend un petit peu, vous reprenez le cahier avec les exercices. Ensuite, je voulais vous suggérer quelques petites autosuggestions positives. Voilà, je les ai ici, comme ça, je vous les lis. Je vais le lire tout doucement, comme ça, si vous voulez les noter. Ce sont des petites suggestions à vous dire le matin et le soir, par exemple, à un moment donné où vous en avez envie. Alors, la première suggestion, auto-suggestion positive, ma confiance en moi s'améliore de jour en jour. Ensuite, je m'accepte comme je suis et j'apprécie qui je suis.
Ensuite, je suis quelqu'un de bien et acteur de mon bien-être. Il en reste encore deux. J'ai en moi les pouvoirs de réalisation de ce que je souhaite. Et enfin, je vais réussir ma vie dans tous les domaines. Après, ce sont les exemples. Dites-vous que vous pouvez rajouter des phrases qui sont propres à vous, qui vont vous stimuler positivement par rapport à votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Ensuite, ce soir, j'ai pas beaucoup de commentaires. Bon, j'avais pris peut-être des mauvaises habitudes la semaine dernière. C'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Je voulais aussi vous proposer, c'est un livre que vous pouvez trouver sur Internet, qui est très très bien. Enfin, un livre, une petite boîte. J'appelle ça les boîtes de Pandore. C'est pour cultiver l'estime de soi. Et comme si vous ne le saviez pas, vous l'avez bien compris ce soir, que l'estime de soi est liée à la confiance en soi. Plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi, plus on arrive à s'affirmer. Et dans l'affirmation de soi, il y a savoir dire non. Ah, alors Anne me dit, se mettre des petits mots positifs sur le frigo, la glace de la salle de bain, c'est bien aussi, tout à fait, oui, effectivement, c'est une très bonne idée. Tous les endroits, justement, où vous allez le plus souvent dans la journée, vous mettez des petits post-it, vous pouvez très bien aussi acheter des post-it en forme de cœur, en forme d'étoile, hein, vous trouvez un tas de choses, hein, maintenant dans les grandes surfaces. Vous faites plaisir, la couleur que vous préférez aussi, parce que la couleur aussi, c'est stimulant. Et puis vous notez des petites phrases positives par-ci, par-là, c'est une très bonne idée, merci Anne. Alors pour en revenir à la boîte de Pandore, ça s'appelle la petite boîte pour cultiver l'estime de soi. Dedans, il y a 81 cartes. Et en fait, si vous prenez cette petite boîte, vous regardez chaque jour, hein, une petite carte. Hein. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais en prendre une au hasard. Hop là, je vais prendre celle-là. Alors, je la rapproche, hein. Comme ça, vous voyez bien. Commencer et comment c'est présenté. Alors vous voyez, là c'est marqué, comme ça vous donne un exemple. Je pardonne à ceux qui m'ont fait subir ces blessures. Le plus souvent, les gens qui nous entouraient lorsque nous étions enfants, parents en tête, ne nous voulaient aucun mal. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient en fonction des cicatrices que leur propre histoire leur avait laissées. Il n'y a pas là de quoi nourrir une vraie rancune. Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant comme carte. Et vous voyez, chaque carte en fait, c'est un domaine spécifique qui vous permet de réfléchir justement sur ce thème-là et de renforcer votre estime et votre confiance en vous. Voilà pour la minutie ce soir. Je vous ferai comme chaque semaine un petit sondage pour la minutie de la semaine prochaine. Comme ça, je vous laisserai choisir aussi. Comme chaque semaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !